Il y a quelques jours, je me baladais tranquillement sur Amazon et j'ai vu cette annonce. Honnêtement, ça m'a directement interpellé parce que c'est un clavier à une main et j'ai jamais vu ça. Du coup, je me suis dit, let's go, je vais le commander, on va le tester en vidéo. L'avantage, c'est que ça peut continuer la série simplement où on teste des produits. On a testé le pire clavier, le meilleur, la pire souris avec la plus chère, bref, plein de choses. Et là, aujourd'hui, on s'attaque sur un clavier à une main. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Si vous kiffez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour également vous abonner, c'est super important. Nous, on va directement unboxer ça ensemble parce que je l'ai pas encore ouvert. À tout de suite. Ok, du coup, c'est bon, regardez, il y a le carton qui est juste là. Alors là, déjà, il me paraît assez petit, vraiment. Hop, du coup, je l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, bah, du coup, il y a le film plastique et il y a juste le clavier avec le câble. Ok. Il y a absolument rien dans le carton, c'est n'importe quoi. Oh, mais il est tout petit. Mais what the fuck, c'est quoi ça? Alors, le câble, du coup, il a l'air super long. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. D'ailleurs, je tiens à le dire, mais il n'y a aucun placement produit. J'ai totalement payé ça de ma poche. Je sais même pas c'est quoi la marque et on s'en fout. Ça, par contre, ça sert à quoi? Je sais pas. Hein. Ok. Bref, du coup, il est là au niveau du toucher. Oh, c'est spécial, par contre il fait un bruit assez agréable. Histoire de le comparer un petit peu avec l'Apex Pro TKL. Regardez, c'est même pas la moitié, c'est encore plus petit que la moitié. Il y a aussi un gros repose poignet. Dans tous les cas, on va le tester. J'espère qu'au niveau des touches, il y aura assez de touches. Parce que si vous regardez bien, ça s'arrête à TGV. Et moi j'ai des touches de construction, par exemple sur Y, sur H, B et tout. Enfin, j'ai des touches importantes. J'espère que je pourrai jouer. Bref, on se retrouve directement en game pour tester tout ça. A tout de suite. Ok, let's go. Mais toi, tu cherches la merde, toi. Mais toi, si je te croise en game, t'es mort. Oh, par contre, la barre espace, j'ai vraiment pas biffé, hein, c'est sûr. D'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai sorti un petit skin que j'ai jamais mis, les gars. Première fois que vous voyez sur la chaîne, honnêtement, il est plutôt BG, hein. J'aime bien la pioche avec le rappel de la couleur de cheveux et tout. Vous savez quoi? Au niveau du drop, on va se faire un spawn à Misty, les gars. Moi, je suis un mec, j'adore le risque. Moi, je suis quelqu'un, j'adore le risque. Ok, il y a du monde, on va prendre mon petit bat juste là. Il y en a une arme, c'est déjà ça. Pistolet, allez, un pompe, un pompe, un pompe, un pompe. Non, une AKVR, j'en peux plus. Oh, ça me perturbe trop, les gars, le clavier est trop petit. Genre, j'ai l'impression qu'il bouge. J'ai du shield. Non, mais comment je fais? Oh là 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 là, mais je regrette déjà. Nope. Je les craque. Comment je reload? Ah, c'est ça. Tu dégages! Allez, toi, tu dégages déjà. Hop, première étape. Je galère parce que c'est pas du tout les mêmes touches et tout. Genre, y'a un mec là, mais je sais pas où il est. Alors, toi, je t'ai mis une balle, pas deux, gros. Aïe. Oh, je me suis cassé une jambe. Et j'ai plus de maths en plus. 50 blancs. Let's go Samu, let's go mon gars. On va tout reload, malheureusement on n'a pas de reshield. On n'a pas de maths non plus d'ailleurs. 127. 127. Nope. Nope. J'ai un HP. Let's go! Comment j'ai fait pour le tuer? Parfait! Oh, j'ai eu tellement peur, les gars! Je vous voyais déjà au lobby! Nope! Oh damn! Il a pris un max damage, j'ose pas, celui-là il m'a mis bien, je peux vous le dire. Bref, quatrième kill validé. Vraiment, je vous le dis, pour l'instant, il n'y a aucun talent, c'est que de la chance, les gars. Mais d'ailleurs, je viens de me poser une question. Comment ils font, les mecs qui ont un clavier comme ça, pour écrire? Parce qu'en fait, t'as que la moitié de l'alphabet. Je me demande à quoi ça sert un clavier comme ça, tu vois, ça a quoi comme avantage? Parce que tu peux pas écrire, donc t'es obligé d'avoir un clavier normal à côté. Pour le jeu, bah voilà, un clavier normal, c'est très bien. Vraiment, faut m'expliquer. Le mec qui a créé les claviers à une main, il était bourré. Bref, bourré ou pas, nous, on va essayer de faire notre petit top 1. On a encore 19 remains, malheureusement. Le lobby s'est vidé super vite. D'ailleurs, sur la chaîne, vous avez pu voir cette vidéo qui n'est autre qu'un concept que j'ai fait avec Martial, Oani et Zedfar, où en gros c'était deux équipes de deux et la première équipe a gagné le plus de points en arène, a remporté 100 €. Là, j'ai fait le même concept, mais cette fois-ci, ça sera quel joueur pro gagnera le plus de points en une heure. Le concept a été tourné, ça sortira bientôt sur la chaîne, donc pensez à vous abonner et activer la cloche parce que honnêtement, cette vidéo de fou. Les pros, ils étaient trop trop forts, ils ont fait des grosses games et tout. Enfin bref, je vais pas non plus vous spoil, mais honnêtement, ça va être du très très lourd. Au niveau de la zone, on est centre zone, donc là, théoriquement, il y aura des mecs qui vont rota sur nous, ça peut faire vraiment plaisir. En fait, dans un sens, j'ai envie de me battre, mais dans l'autre, j'ai un peu peur, tu vois. En fait, là, vas-y, je suis pas arme égale avec eux. Moi, je pars avec une pénalité, je joue un clavier à une main, frère. Par contre, un truc qui est super agréable, c'est le repose-poignet. Genre là, vraiment, c'est super confortable. C'est un peu le seul point positif que j'ai trouvé au clavier pour l'instant. Non, les gars, sur mon clavier, y a pas de touche Y, je peux pas mettre le pad. Mais non, je suis dégoûté. C'est n'importe quoi. En vrai, c'est super perturbant. Ok, une voiture qui arrive. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il a envie de se battre? Je pense pas.
Oh là, je l'ai bien touché. Mais non, mais reviens. Mais les gars, à quoi ça sert de jouer à Fortnite Battle Royale si c'est pas pour vous battre? Au bout d'un moment, battez-vous, je sais pas, faites des trucs. Le mec, j'ai même pas tiré une balle qui se barrait déjà. On est plus que 10 malheureusement. Et je trouve personne. La map est vide, vraiment. C'est un truc de fou, les gars, je suis en train de péter mon crâne. Ah, on m'a tiré dessus, mais je le vois pas. Ah, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fout là-dessus? Ok, le mec a l'air de savoir jouer. Ok, je l'ai bien touché. Le mec est tombé, mais reviens frérot. J'ai plus beaucoup de maths. Et je prends une tête au snipe, mais c'est n'importe quoi! Bref, dans tous les cas, la game elle était nulle, j'ai croisé personne, du coup on va s'en lancer une directement. Ok, let's go, deuxième game. Vous savez quoi, celle-ci, on va dire que c'est la vraie game, ok? Ok, bah y'a personne. Super! Regardez, c'est comme par hasard quand je suis pas compté, est-ce que j'ai directement un pompe avec une AR et du shield. Voilà, c'est tout le temps comme ça, voilà. Dès que je suis compté, j'ai quoi? J'ai un petit flingue. Bref, du coup c'est bon, on se barre de la ville. Putain, mais y'a un mec juste là! Oh le bâtard, il essaie de m'écraser. Mais encore une fois, un mec qui se barre, les gars. Je n'ai pas le droit de me battre, j'ai l'impression. Voilà, 105, let's go. Alors là, mon gars, toi t'es low. T'as de la chance d'avoir une féfé, hein. Bon bah malheureusement, il a réussi à me semer. Mais vas-y, c'est de la triche, ça m'énerve. Ok, parfait, le petit lama qui met trop bien. No. Ok, on l'a bien touché. Oh lobby mon gars, oh lobby. Oh, j'ai tellement galéré, mais bon les gars, vraiment soyez un du jeu s'il vous plaît, c'est à cause du clavier, je vous jure c'est un enfer. Déjà regardez, faut bien m'expliquer aussi pourquoi le V est plus grand que le G et tout. Genre pourquoi il y a des touches plus grandes, genre par exemple le T est plus grand aussi. Je comprends pas, y a rien de logique. D'ailleurs comme vous le savez, je vous l'ai dit plein de fois, moi cette saison ne me plaît pas, c'est pour ça que je joue pas beaucoup au jeu. Mais j'ai vu que bientôt il y avait la nouvelle saison. Vraiment moi je vous dis, je me suis pas intéressé à tout ce qui est leak etc. Donc je sais vraiment pas ce qu'il y aura. Mais moi de mon point de vue, ce que j'aimerais bien, ça serait du coup au niveau de la méta des pompes un gros changement. Voilà, quelque chose de concret, pourquoi pas une amélioration des pompes ou quoi. Et surtout de la rotation, vraiment. Genre, je sais pas, un nouveau véhicule ou un truc comme ça. Non. Mais regardez la tour qu'il a fait, mais c'est n'importe quoi les joueurs maintenant. Il avait un énorme space 12. Il y a un mec à côté, mais je sais pas où il est. Je crois qu'il est dans le bush, hein. Oh, ça max up. Et crack. Oh, damn. Oh, là, là, là. Oh, le shit de fou. Les gars, ce clavier, what the fuck. Mais mec, mon vrai clavier, je mets pas ça. Touché une fois. Oh, vraiment, c'est le switch d'arme le plus difficile, hein. Il a pas de, regardez, il est juste là. Mais coucou toi, ça va? Mais crois pas, je vais te lâcher par contre, hein. Oh, si ça retourne et qu'il me laser. Oh là là, il a failli me la mettre. Oh, oh. Tenter encore. Non merde! Mais le switch d'arme, je déteste! Oh là là, j'ai pris mon temps pour tirer! Je déteste ce clavier, les gars, vraiment! Mais c'est le pire clavier de l'univers, ne l'achetez surtout pas! Je comprends pas pourquoi il y a des touches irrégulières et tout, genre des fois j'appuie, ça clique pas! Oh là là, l'enfer, l'enfer sur terre! Bref, c'est pas tout, mais on a validé notre quatrième kill. En vrai, le top 1 va être super compliqué en termes de construction, malheureusement, on n'est pas full. On a 4-4-3. J'espère que ça suffira. Après, dans tous les cas, je construis pas énormément non plus. Ça marche pas, ça marche pas. Nope. Mais pourquoi il construit pas? Quoi? Mais
Mais cachot dominant, mais frérot, t'es resté bloqué en saison 1 ou quoi? En plus, il avait déconstruit. Il me regardait comme ça. Bon, bah tant mieux, hein. Bref, top 6. Ah là là, petit à petit, ça descend. Oh là là. Je pense que je vais retrouver le stress du top 1 comme à l'époque. Il y a un mec juste devant, regardez. Oh, il court après un lama. Regardez, il va être déconcentré. Je vais bien me rapprocher, je vais le laser. Il m'a entendu, mais non, il m'a entendu, j'ai le seum. J'ai rien à foutre. Oh, j'ai trop le seum, j'ai été trop patient. Esquive. Wouhou! Expédition lobby, mon gars. Oh, il a fait un space gold. Il aurait pu mettre tellement de dégâts. Bref, le principal, c'est qu'il soit plus là. Malheureusement, j'ai des pads, mais j'ai toujours pas de touche pour les mettre. Du coup, bah, on va marcher, hein. En vrai, 6 kills, je trouve ça incroyable avec ce clavier. En vrai, je pense que vous vous rendez vraiment pas compte du niveau de difficulté que c'est. C'est ultra perturbant pour le switch d'armes, surtout. Il y a un pad posé là, mais merci. Merci, les gars, c'est d'honneur, ça. Il y a un mec là-dedans, vous pensez? Il y a un pad juste à côté. Ok, une scar en or, ok. J'ai un stuff incroyable. Ça se bat vite, 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 vite. Let's go, le backstab au bon moment et je me retrouve du coup en 1v1 finale. Ok. Oh. Et quoi? Il est mort de quoi? Il est mort de quoi? Les gars, what the fuck, c'est quoi cette fin? Oh, let's go. En vrai, je devrais pas être content, tu vois, parce que j'aurais pu avoir l'1v1 finale, mais bref. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. On va vite aller voir en mode replay comment il est mort. Ok, regardez, le dernier n'était même pas sur la map. Donc, soit il est mort de zone, parce qu'il a peut-être fait la technique de Cray ou quoi, tu sais, pour tempo la zone avec les poissons, etc. Ou alors il est juste mort de chute, ou alors il est mort de tempête. Enfin bref, en tout cas, il était vraiment pas là. Donc, je pense qu'il est mort de tempête, mais il a pas fait d'effort. Hein. Vas-y, je fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!